utilisez la vue action pour obtenir des informations sur votre environnement. Altaïr, quelle joie de te revoir. Et en un seul morceau. C'est un plaisir partagé. Je suis désolé pour tous ces problèmes. N'y pensons plus. Je viens de quitter certains de tes frères. Si tu avais entendu ce qu'ils ont dit à ton propos, je suis certain que tu leur aurais tranché la gorge. Laisse-les dire. La vérité, c'est que tu n'as jamais vraiment suivi le credo, n'est-ce pas ? Cela suffit. Non, excuse-moi. J'ai parfois tendance à m'égarer. Quelle affaire t'amène à Damas ? Un dénommé Tamir. Al-Mualim réprouve ses agissements. Je dois y mettre un terme. Dis-moi où je peux le trouver. Tu n'as tout de même pas oublié comment traquer une proie. Bien sûr que non. Il faut connaître ses déplacements. Mais ce genre de mission est réservé à... Ah, je vois. Va parcourir la ville. Découvre ce qu'il conspire et où il travaille. Sans préparation, impossible de réussir. Peux-tu me dire à son sujet ? Tamir gagne sa vie grâce au marché noir. Voilà pourquoi il faut que tu te rendes dans le quartier des souks. Tu dois te concentrer sur les endroits suivants. Le petit souk au nord-est, la madrassa à l'est et les jardins au nord. Limite-toi à ces trois endroits et tu en apprendras beaucoup. J'imagine que tu souhaites me revoir quand j'en aurai fini. Oui, reviens me voir. Je te donnerai la plume d'Al-Mualim et tu pourras tuer Tamir. Comme tu voudras. Souviens-toi, Altaïr. Si tu te retrouves dans une situation délicate et que les habitants deviennent hostiles, reviens ici. Je te tiendrai à l'abri de l'orage. Sache que si l'ennemi est trop proche, je garderai porte close tant que tu ne l'auras pas semé. Tu as compris ? Bien sûr. Si l'ennemi entrait ici, toute la fraternité serait menacée. Exactement. Vas-y, maman. Les Sarrasins manquaient de tout. Ils avaient besoin de ravitaillement. La situation semblait désespérée. Nul ne le connaît mieux que moi. Approchez-vous. Venez écouter mon histoire. L'histoire incroyable du prince des marchands. Alors Tamir fit route vers le nord. Se demandant quoi faire, avec un chargement de vivres qui bientôt allait se gâter. L'histoire et la vie de ce pauvre diable auraient pu s'arrêter là. Mais le destin en décida. En chemin, Tamir croisa le chef des Sarrasins et son armée de soldats. Tous plus affamés les uns que les autres. Tous deux réalisèrent la chance. Il a trouvé la force. Il a bousculé quelqu'un. Il est aveugle ou quoi ? Qu'est-ce qu'ils font ? C'est par le sud que le roi anglais et son armée d'infidèles arrivent. Et ils sèment la terreur dans leur sillage. Alain est parti à leur rencontre pour nous venger de leurs actes barbares. Priez pour que Dieu, exalté et glorifié soit-il, nous entende et nous accorde la victoire. Thank you.
de plus grande gloire. Essayez de faire attention. Laissez-moi partir. Maudit voleur, mes amis. Shaitan est partout. Il attend. Il observe. Il nous soumet sans cesse à la tentation. Soyez forts comme Salah Adin. Et armons-nous du mieux que nous pouvons contre nos ennemis. Maudit soit-il. Maudit soit le roi chrétien et son armée d'infidèles. Ces hommes agissent contre la volonté de Dieu. Je te ferai trancher la main. Pourquoi vous en prendre à moi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Est-ce que tu veux? Tu n'es qu'un sale voleur! Aidez-moi! Je vous en prie! Et c'est donc... Que le Seigneur ait pitié de ton âme! Merci pour votre gentillesse. Je vous revaudrai ça. J'en fais serment. Mais qui a-t-il mis un homme? Tu es un homme mort. Tenez-le! Garde-toi! Vite! Reviens par ici! Je vais te pourchasser! Je veux savoir où il est allé! Il est là! Tu ne m'échapperas pas! Tu vas le payer cher. Je finirai bien par couper. Il faut l'arrêter, il va finir par se faire mal. N'est qu'un sale voleur. Arrêtez, je vous en prie. Faites mal. Il a réussi à s'échapper. Je ne sais pas ce que tu cherches. Maudit voleur. Je l'ai forcément. Hé, l'ami. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais je peux t'aider. Garantis. Maudit voleur. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Mais je l'ai forcément.
sale voleur. Je te ferai trancher la main. Pourquoi avez-vous fait ça? Ça t'intéresse? Je ne sais pas ce que tu cherches. Je suis venu, vous avez compris. Et je l'ai forcément. Dis Richard, venez à bien sûr, moi. Alors, plus il ne sera pas déçu. Il marcherait en plus. Bonjour, l'ami. Il je faut l'arrêter. Que ce soit le mettre hors d'état de ce nuire. Faites citer la nôtre. Je ne sais pas ce que elle tu cherches. Elle l'a toujours été. Et je l'ai forcément. Et il est de notre devoir de la défendre jusqu'à la mort. Les croisés doivent être anéantis. Tu cherches. Soyez prudents, mes amis. Shaitan est partout. Il attend, il observe. Il nous soumet sans cesse à la tentation. Soyez forts comme Salah Adin. Et fidèles arrivent et ils sèment la terreur dans leur pillage. Salah Adin, je devrais te tuer pour ça. Avec eux, vont nous venger de leurs actes barbares. Tu n'es qu'un sale voleur. Maudit voleur, je suis ton homme. Allez, viens. Reviens d'un peu où tu vas. Venez voir mes marchandises. On dirait qu'il a le diable au corps. Je propose des prix réduits sur toutes mes marchandises. Profitez-en, venez, venez. Maudit infidèle! Je suis à ton service. Maudit voleur! Personne ne m'aidera! Mais aurait quand même pu regarder. Tu as un problème? Dis-moi au moins ce que j'ai fait de mal! Hé, l'ami! Je ne sais pas ce que tu cherches, voleur. Mais je te ferai trancher la main! Ça fait mal! Arrêtez, je vous en prie! Tu oses commettre un larcin sous mes yeux? Tu vas le payer cher! Tu oses commettre un larcin sous mes yeux? Tu vas le payer cher! Maudit voleur! Qu'un sale voleur! Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal! Arrêtez, je vous en prie! Sale voleur! Je te fais trancher la main! Dis-moi, que j'ai fait de mal! Attention! Ah,
Je vais te trancher la tête. Tu ne peux pas m'échapper. Je vais te trancher la tête. Dieu est avec moi. Tu ne gagneras pas. Je vais t'éliminer. Abandonne. Tu ne t'éliminer pas. Dieu est de mon côté. Dieu soit loué, vous m'avez sauvé. Toute la ville saura que vous vous êtes sacrifié. Il y a un meurtrier dans les parages. Ne refais jamais ça. Voilà qui lui apprendra. C'est une tragédie, bien sûr, mais aussi un grand honneur. Il n'y a pas de plus grande gloire que de mourir au nom de Dieu et de lutter pour ses convictions. Maudit soit-il, maudit soit le roi chrétien et son armée d'infidèles. Les hommes agissent contre la volonté de Dieu. Ils méritent. Qu'est-ce que tu veux? Vous avez un problème ou quoi? Je te dis que ce sont des rats. Non, des enfants, je les entends rire. Rats ou enfants, tout ce bruit, c'est pas bon pour les affaires. Je sais de quoi je parle. Quelqu'un doit escalader ces poutres pour les chasser. Je me demande comment ils sont montés jusque-là. Bah, sans doute par la cour centrale. Nous devrions demander aux gardes de jeter un œil. N'y pense pas, ils sont bien trop occupés à cajoler leur maître. Altaïr, j'ai besoin de ton aide. J'ai pris quelque chose à l'un des hommes de Tamir et maintenant il me cherche. Aide-moi. Conduis-moi en lieu sûr et je te montrerai ce que c'est. Thank you.
Que Dieu punisse celui qui a fait ça. Où se cache-t-il? Je vais te trancher la tête. Aide-moi, Altaïr! Nous sommes en sécurité. Je peux maintenant me débrouiller seul. Prends ceci. Tu en auras besoin dans ta mission. C'est une sorte d'invitation, je crois. Des milliers de vies pour la défendre. C'est une tragédie, bien sûr, mais aussi un grand honneur. Viens jeter un coup d'œil. Maudit voleur! Maudit voleur! Et son armée d'infidèles. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu n'es qu'un sale voleur! Bienvenue! J'ai fait ce que tu m'as demandé. Maintenant, donne-moi la plume. Chaque chose en son temps. Qu'as-tu appris? Tamir règne sur le Souk Al-Silla. Il a fait sa fortune en vendant armes et armures et a reçu beaucoup de soutien dans son entreprise. Forgeron, marchand, financier. C'est le plus puissant des marchands de mort de la région. Et as-tu trouvé un moyen de nous débarrasser de cette vermine? Ils vont se rassembler dans le Souk Al-Silla pour conclure une vente importante. La plus importante jamais réalisée par Tamir. Il sera pris par son travail, et j'en profiterai pour agir. Ton plan me semble logique. Tu as tout mon soutien. Que la volonté d'Al-Mualim soit faite. Repose-toi ici, autant que tu veux. Avance rapide vers une séquence plus récente. Je vous en prie.
voleur! Laissez-moi partir! Maudit voleur! Rien ne me surprend plus maintenant. Que Saladin soit loué! Encore un qui a passé! Il a trouvé la force! Vous avez failli tuer! Vous m'avez fait peur! S'il te plaît, dis-moi. Il a le diable assez trop. Bonjour, l'ami. Si je peux faire quoi que ce soit pour essayer de découvrir comme ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire des affaires ? Je suis ton homme. J'ai vu personne faire ça auparavant. Je suis à ton service. Allez, chien. Que ça lui serve de leçon. Donne-moi un peu de pierre. Un peu d'argent. J'ai faim. Il faut que je trouve de quoi manger. Et vous pouvez vérifier. Je me moque de tes calculs. Les chiffres n'y changent rien. Des hommes n'ont pas honoré la commande. Et moi, je n'ai pas satisfait mon client. Et il nous faut plus de temps. C'est une excuse digne d'un paresseux ou d'un incompétent. Lequel es-tu? Aucun des deux. Ce n'est pas mon impression. Alors, dis-moi, comment envisages-tu de régler ce problème exactement? Il nous faut ces armes maintenant. Je n'ai aucune solution. Les hommes travaillent déjà jour et nuit. Et votre acheteur a vu très grand, sans parler des difficultés d'acheminement. Si seulement tu étais aussi doué pour produire des armes que pour trouver des excuses. J'ai fait tout mon possible. Cela ne suffit pas. Alors peut-être en demandez-vous trop. Trop? Alors que tu me dois tout. Sans moi, tu en serais encore à charmer des serpents pour quelques pièces. La seule chose que je te demande en retour, c'est d'honorer les commandes. Et tu dis que j'en demande trop. Tu t'aimes manquer de respect. Du calme, Tamir. C'est un malentendu. Plus un mot ne sortira de ta bouche. Non, arrêtez! Arrêtez? Je viens juste de commencer. Arrêtez! Tu es venu dans mon souk. Tu as dérangé mes hommes. Et tu as osé m'insulter. Non. Laisse le corps. Que cela vous serve de leçon. Réfléchissez bien avant de me dire que quelque chose est impossible. Maintenant, au travail.